Salut les voyageurs. Particulièrement satisfait de vous retrouver, ça fait maintenant des semaines, on peut même dire des mois, que rien n'a été publié, puisque si vous suivez un peu l'historique de notre petite chaîne, il y avait un gros déménagement réalisé depuis la Suisse vers la France. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer toute la complexité de rejoindre la France depuis un pays en dehors de l'Union européenne, mais c'est pas mal. Enfin voilà, c'est fait, on est maintenant du bon côté, tout n'est pas réglé, mais ça vient. Et on va maintenant se concentrer sur la suite, puisque la suite, ça va être d'organiser le prochain voyage. Donc le but de cet épisode court, c'est simplement de vous dire un petit peu ce que l'on compte changer et comment on va s'y prendre pour la suite de la vie de la chaîne AEA en CC. Voilà. Alors, au niveau du rythme des vidéos et de leur aspect, pour certaines, il y a des choses qui vont changer. Au départ, je me disais que pendant les promenades, j'allais tenter de réaliser du montage aussi soigné que les épisodes pour l'instant qui étaient faits après les voyages. C'est pas très réaliste, et puis en fait, j'ai surtout envie aussi de profiter, de capter des belles images, mais de profiter quelque part des voyages, et puis de faire des beaux montages par la suite. Mais et c'est quand même, je pense, valable, on va avoir l'occasion de faire à peu près une fois par semaine, avec des montages beaucoup plus faciles, des états des lieux sur qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine qui s'est écoulée, où on se trouve et qu'est-ce que l'on peut faire pendant la semaine qui arrive. Alors ça aura plusieurs avantages. Ça aura un premier avantage de pouvoir nous situer à peu près une semaine à l'avance, et on ne sait jamais de pouvoir se rencontrer si par ici ou par là, on a l'occasion d'être pas loin les uns des autres, si ça vous intéresse. Et puis, on pourra aussi répondre comme ça en commentaire sur des compléments d'informations, si vous en avez besoin, puisque, effectivement, à la semaine, ça sera beaucoup moins détaillé que les vidéos qui sortiront par ailleurs après notre retour, probablement pendant la période d'hiver, et qui, elles, ressembleront aux vidéos que vous connaissez sur la chaîne. Par ailleurs, je n'oublierai pas les tutos. Il faut savoir que dans les statistiques des vidéos, c'est quand même les tutos qui ont le plus de succès. Pas forcément ce que je préfère faire, mais il y en a un prochain qui va sortir sur la cassette chimique. Alors, pas que son entretien, mais aussi son utilisation. Ça ira aussi avec le fait d'économiser souvent de l'eau. Enfin, qu'est-ce que nous, on applique pour pouvoir tenir le plus longtemps possible avec les WC chimiques. Alors, si on s'intéresse dès maintenant à notre prochain périple, en fait, on va bientôt partir, d'ici deux semaines, on va bientôt partir pour un périple qui va nous emmener jusqu'en Algarve et qui va se répartir sur à peu près huit semaines. Alors, voici un petit peu un détail du périple. C'est donc un périple qui va démarrer aux alentours du 20-22 août au départ de la Franche-Comté et qui va nous emmener dans un premier temps dans l'Aveyron en faisant une petite halte pas loin de Bozoul. Ensuite, on va se diriger vers la région de Bayonne pour franchir la frontière et nous intéresser à la région de Pampelune avant d'aller un petit peu plus loin pour voir cette ville qui semble splendide, qui s'appelle Salamanque. Et on passera ensuite au niveau du Portugal et on rejoindra l'Algarve, où nous serons présents dès le 8 septembre et où nous allons rester jusqu'à quasiment toute fin septembre, puisque nous serons ensuite présents sur Séville à la bascule septembre-octobre, 30 septembre au 2 octobre. Et ensuite, ce sera une lente remontée, a priori, via Madrid, Saragosse, la région de Tarragone, avant de revenir dans notre région d'habitation.
comme ça a déjà été le cas par le passé et comme ce sera le cas à l'avenir. Si jamais vous repérez qu'on passe pas loin les uns des autres et que vous avez envie à l'occasion de nous rencontrer, ça peut être l'occasion. Donc finalement, la première semaine qui nous occupera entre, on va dire, entre le 20 août et début septembre, on sera quelque part entre le centre de la France et la région de Pampelune. Je me réjouis déjà de faire le plein de belles images pour les différents épisodes, que ce soit les épisodes hebdomadaires avec un petit peu moins d'informations, mais aussi plein d'autres belles images pour les épisodes qui sortiront cet hiver, avec, comme toujours, des découvertes de lieux, mais aussi des découvertes de lieux d'hébergement pour pouvoir poser son camping-car et ensuite rayonner. Alors, rendez-vous sous peu pour le résumé de notre première semaine de périple et à bientôt.